Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. C'est la suite et la fin du coloriage extrait du livre Nice Little Nown 4 de Tanya Bogema. Voilà, le livre avec les petites souris. J'ai terminé aujourd'hui, j'étais lancée, j'ai dit je veux le finir, je l'aimais trop ce coloriage, donc j'étais lancée, je l'ai terminé. J'ai hésité, je cherchais pour le toit du champignon, bon c'est vrai que c'est, comme vous avez pu voir, c'est un genre de champignon, j'ai hésité pour la couleur du toit, et puis ben, vous verrez ce que j'ai choisi. J'aime beaucoup ce que j'ai choisi. Bon, celles qui ont déjà le Facebook ou bien qui ont mon Instagram ou qui sont sur le groupe de coloriage, ben, vous l'avez déjà découvert, ce que j'ai choisi, puisque je l'avais déjà mis avant. Là, j'ai pu faire également un fond avec mes pastels tendres de Faber-Castell. Voilà, j'ai mis 3 couleurs et j'ai utilisé la bombe fixative pour fixer mon pastel. Donc, vous verrez un moment, donc ça, bon, c'est très rapide, vous verrez, ça prend 3 secondes. Mais bon, je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez. Puisque là, comme dans le livre, ça va être fermé, et puis bon, ça va quand même se frotter, donc j'ai dit, je vais fixer mon dessin, donc j'ai mis la bombe fixative sur mon dessin, enfin sur mon coloriage, pour pas que ça bouge. Voilà, comme ça, là, il n'y aura pas de problème, mon colo ne va pas bouger, mon pastel ne bougera pas, c'est fait exprès, c'est une bombe que l'on met exprès sur les pastels pour pas que ça bouge. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dedans? J'ai utilisé un peu d'essence sans odeur, vous verrez. Puis bon, j'ai utilisé un peu le stylo gel blanc. Non, rien d'autre de spécial pour ce dessin. Voilà. Donc là, la vidéo va être encore un petit peu longue. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts parce que je fais des vidéos longues en ce moment. Et je remarque que quand je fais des vidéos longues, désolée, j'ai les yeux qui piquent, que je fais des vidéos longues, ben, j'ai pas beaucoup de commentaires. Je crois que je vous perds à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, c'est vrai que le coloriage, je ne peux pas vous faire des vidéos d'un quart d'heure et vous les passer en très rapide. Ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, au choix des couleurs que j'ai utilisées, le fond que j'ai utilisé, voilà. Et si vous avez des questions par rapport à la bombe fixative que j'ai utilisée, bon, comme je vous dis, malgré que je vais, oh là là, malgré que je vais faire je vous ferai une vidéo sur cette bombe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, demain on est vendredi. Bon, demain on est vendredi, mais vous aurez déjà vu la vidéo d'ici là. Donc, je ne sais pas comment mon internet va fonctionner, puisque demain, comme j'ai dit, je change de fournisseur d'internet, donc je vais voir comment je fonctionne. Mais bon, quand vous aurez la vidéo là, vendredi sera déjà passé. Donc, voilà, ça n'a aucun intérêt que je dise ça. Oh mince, j'ai mes yeux qui brûlent. J'ai mis du gel, j'ai désinfecté mes mains avec le gel. Et à chaque fois, j'y pense pas, je frotte mes yeux. Et ça pique les neneules. Ça pique un neneul. Pas bien. Pas bien, mettre du gel aux mains et frotter les yeux, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Allez, je vous laisse visionner cette vidéo. Laissez-moi les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est même que vous aimez pas, parce que je sais que j'ai toujours des J'ai toujours mes petits pouces là, au bout de 1, 2 secondes, 3 secondes que la vidéo est postée, il y a toujours le petit pouce, mais que je sais de qui il vient, hein, mais bon, c'est le petit pouce pour dire je t'enquiquine, Edith. Mais je m'en fous. Voilà. Donc, ce petit pouce-là, je m'en fiche. Mais bon, je sais que des fois, il y a des autres petits pouces après la lecture de la vidéo qui sont un petit peu comme ça aussi. Mais bon, justement, j'aimerais bien savoir aussi pourquoi. Sinon, quand vous aimez bien, dites-le moi. Quand vous aimez pas, dites-le moi aussi. Gentiment, hein. Faut me le dire gentiment. Parce que sinon je pleure. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, bisous et plein de pouces en l'air. Bisous, bon visionnage.